Brazzaville. Un incendie d'origine indéterminée qui avait tué sa femme et ses deux enfants. La plupart de ses amis évoquent pourtant un incendie criminel. Bruno Sebi était un opposant notoire. Il travaillait pour le journal en ligne Winda.org qui venait encore de dénoncer des malversations pétrolières attribuées au régime congolais. Malgré ses brûlures qui exigeaient des soins intensifs, le tribunal de Brazzaville s'était opposé pour les besoins de l'enquête au transfert de Bruno Sebi dans un hôpital français. $400,000 on hotel bills in two short visits to New York last year. The London Sunday Times says Denis Sassou-Nguesso of the Republic of Congo, also known as Congo Brazzaville, stayed twice at the Waldorf Astoria. On one visit, his entourage occupied 44 rooms and ran up a bill of $252,000, some of it spent on pricey champagne and other expensive beverages. More than 70% of the country's 3 million people live off less than $2 per day, despite oil revenues of $2.5 billion in 2006. Selon l'ONG Transparency International, Bruno Sebi souhaitait se joindre à une plainte contre le président Sassou Nguesso portant sur les conditions d'acquisition de son patrimoine immobilier à l'étranger. Chaque année plus $1 milliard, 70% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, selon les Nations Unies. Le président Sassou Nguesso, qui totalise 25 années au pouvoir, assure qu'il va industrialiser le pays. Parce que s'il travaillait bien, il allait venir ses pouvoirs, ces choses-là, pour regarder comment les gens habitent. Ça, c'est des maladies, c'est pour expliquer les maladies. Et le président, est-il responsable? Je crois que c'est pas le président, c'est le gouvernement. 35 ans au Congo. Le Congo est un scandale. C'est un scandale, le Congo, tout simplement. An increasing number of Congolese are fed up. Nous, on ne comprend pas. On voit seulement que nous, on a vendu tant de pétrole, tant de milliards. On va faire tel projet, mais nous, on n'a jamais fait ça. Oh, alors que le pays est vachement riche. On a le pétrole, on a tout ici. Le Congo est vachement riche. C'est Denis Sassou Nguesso, le président sortant, qui devrait l'emporter. À suivre dans un instant les précisions de notre correspondant sur place, Arnaud Zeltman.